Je suis ton pire cauchemar. Je vais venir cette nuit dans ton lit déposer tes rondelles de cochon et du saucisson et des lardons et des trucs comme ça. Salut les gens, aujourd'hui j'ai fait une vidéo sur GTA V et elle sera pleine de cochons, cul tout nu, singes, Bambi, code de la route et d'autres trucs. Bref, j'espère que ça vous plaira et bye bye. Je suis un automobiliste titulaire du permis B et ayant un petit coup dans le nez, un Bambi s'engage sur la chaussée. Réponse A, je m'arrête. Réponse B, je suis courtois et je laisse passer le Bambi. Réponse C, je dépasse l'automobiliste et je fais semblant de ne pas avoir vu le Bambi. Réponse D, Obi-Wan Kenobi. La bonne réponse était la C, car dans la situation présente, le Bambi s'est dangereusement inséré sur la chaussée, il s'est arrêté pour discuter avec l'automobiliste devant moi. Donc, nique sa race. Non ! Bambi ! Bambi ! Un peu plus tard... Peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Il faut se satisfaire du... Encore un peu plus tard... Hop là. Non ! Hé ! Hé oh ! Arrêtez de faire dans ma voiture là ! Non ! Arrêtez ! Ah, moins vite. Devant. Oh, derrière. Bonsoir. Oh, ça va, vous êtes plutôt à l'aise. Hein? Je rêve où il a sorti une cigarette et un briquet de son. Non. Si. Ça, c'est de la bonne, ça! Robert est trou de balle au fil. Depuis sa plus tendre enfance, il adore cacher des objets dans son. Écoutons son témoignage. Moi, je m'en rappelle très bien, hein, c'était quand j'avais 6 ans. Voilà, je me suis dit que j'allais cacher mes affaires dans mon trou de balle. Et voilà, et bah, maintenant, c'est devenu une véritable passion pour moi de cacher des choses dans mon. Maintenant, ma passion, je la partage avec mon petit-fils. Voilà. La maladie de Robert est incurable. Les médecins ne savent pas comment le soigner. Excusez-moi, monsieur, vous auriez pas oublié votre pantalon, là? Ça y est, ils ont les couilles à l'air, ils se sont pupissés, c'est ça? Hein? Hein? Oh! Je rigolais, mais... En descendant de mon automobile, j'aperçois un homme inconscient sur le trottoir. Et je ne sais pas pourquoi. Non, je ne sais pas. 5 secondes plus tôt! Wouh! Réponse A, j'appelle au secours. Réponse B, j'effectue les gestes de premier secours. Réponse C, je m'en tamponne le saucisson. Réponse D, je le brûle car l'être humain n'est pas biodégradable. La bonne réponse était la B. Mais les gestes de premier secours n'ayant pas fonctionné, le corps n'étant pas réanimé, je dois donc choisir une autre alternative. 5 secondes plus tard, wouh! On y pimpon sur le chihuahua, on y pimpon. La bonne réponse était donc la D. De plus, il encombre le trafic, il pourrait faire trébucher quelqu'un. Donc, nique sa race. Oh! Oh, mec! Mais qu'est-ce que tu foutais dans le putain de passage? J'ai trouvé un truc de ouf. Bah, peut-être c'est un macaque, un genre un gorille, mais ou alors c'est un type en surpoids qui s'est pas rasé les poils, qui s'est un petit peu laissé aller, mais je sais pas trop. Et le pire, il s'est volatilisé. Ah non, mais ça m'arrive de me promener dans la forêt, je regarde s'il y a pas des bananes, des trucs comme ça, des petites filles. Attention la bête. Hop. Mais non, mais c'est sérieux ça? Eh, je te préviens, Tiger Woods là. Hein.
Si tu gagnes, je te tue. Donc tes petits home run avec la balle là, tu t'arrêtes. Fini, terminé. Vas-y mec, vas-y gagne. Focus. Oh, perdu, connard, va. Ça veut dire que t'as gagné ça. Hein. Ok. Et ce qu'on avait dit. Ouais, ouais, il fait le cake, lui, je vais le niquer sa race. Bonjour. Ne jamais s'attaquer à un mec trop scare. Allez, Rocky. Une, deux, descends. Ah, mec, j'en peux plus. Une, j'en peux plus, j'en peux deux, plus, j'en peux plus. Descends. Je me casse. Hé, continue, je te dis. Aidez-nous à lutter contre la maltraitance des babouins en Afrique du Sud-Est. Vous pouvez envoyer vos dons. Attention la tête. Si t'as aimé ma vidéo, tu peux cliquer sur le pouce vert et tu peux aussi t'abonner. Allez, abonne-toi, mec. Allez, mec. Allez. Et t'es presque à... Oh, c'est en bas. Faut cliquer sur ma gueule, en fait.